Salut, salut la famille, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue sur la chaîne Life Like a Soldier. Si tu n'as pas encore souscrit, bien vouloir aller en bas. Vas-y, clique sur le bouton de subscribe et appuie sur la cloche de notification pour recevoir toutes nos vidéos. Et bien sûr, de prime abord, nous disons toujours et toujours, nous remercions tous nos différents abonnés. En fait, Life Like a Soldier n'existe pas si vous n'êtes pas là. La Black Soldier, c'est comme aux États-Unis, si on dit, c'est piece of trash. It's not because of you guys. Donc, vraiment, je remercie tous ceux-là qui ne cessent de partager, de liker, de poser des questions, de savoir comment est-ce que se diriger, à savoir comment rejoindre l'armée américaine, comment pour, bien sûr, ne pas faire le mauvais choix. Je ne dis pas en cela que je suis... le gourou, certains m'ont appelé coach, certains m'ont appelé grand frère. Je ne suis pas tout ça, en fait. Donc, je suis juste un homme comme vous, fait de peau et de chair. Tout banal, quoi. Si vous avez des questions à me poser, je serai bien sûr habilité à les répondre. Il n'y a rien d'extra, là, ok? À savoir, pour nous rejoindre, c'est simple. Allez sur notre page Instagram, allez sur ma page Instagram, contactez-moi sur... Gmail, mon adresse email, bien sûr le numéro WhatsApp que nous avons mis, bien sûr, pour, à votre disposition. Si vous avez des questions et tout, vous nous écrivez. Et la réponse n'est pas forcément automatique, voyez-vous. Donc, nous allons vous répondre au moment opportun, ou bien sûr, quand l'équipe, bien moi ou les autres, puissent vous répondre à un moment ou à un autre. Donc, aujourd'hui, le débat va porter sur est-ce qu'on peut faire venir ses parents lors de notre graduation du Basic Combat Training. Je sais que beaucoup de personnes se sont posées du genre, je sors de ma formation militaire, est-ce que mes parents vont venir me voir? Est-ce que je peux faire venir mes parents d'Afrique pour venir assister à la cérémonie et tout? Parce que, soyez-en sûrs, la sortie du Basic Combat Training, c'est l'un des événements les plus importants d'un soldat parce que c'est, on va dire quoi, c'est sa véritable transformation de civil à soldat. Donc, c'est un événement super important dans la vie d'un soldat. Et je prie vraiment que si il est possible que, on va parler de ça, si vos parents puissent venir, qu'ils le fassent. Alors, voici les différentes étapes sur comment faire venir ses parents pour votre graduation du Basic Combat Training. Mais avant tout, comme d'habitude, générique. C'est un état où, on va encore dire plus précisément, l'armée américaine, c'est la paperasse. La paperasse, c'est l'armée américaine. Tout ce qui se passe dans l'armée américaine est écrit sur papier. Alors, faites bien attention à tous les documents que vous remplissez, bien sûr. Quand on va vous demander sur les documents que vous remplissez, quand vous êtes au MEPS ou bien quand vous allez aller en formation et tout, on va vous dire « personne à contacter ». Je sais, généralement, vous allez vous dire que non, ici, si vous êtes arrivé aux États-Unis seul, vous allez dire, je suis arrivé aux États-Unis seul, je n'ai pas trop quelqu'un pour qui contacter. C'est où vous allez commettre votre première erreur. C'est là-bas que beaucoup de personnes commettent la première erreur parce que c'est là-bas que le processus pour que vos parents puissent assister à votre graduation commence. Alors, pour aller dans ce qui est croustillant, ce qui est le plus important, ok. Mettez l'adresse de vos parents. Même s'ils vivent, je ne sais où. Par exemple, moi, je suis Camerounais de naissance. Et si j'avais su, j'aurais mis l'adresse de mes parents quand ils vivaient au Cameroun.
voyez, j'aurais dû mettre l'adresse de mes parents là parce que quand l'armée américaine va recenser toutes les informations, quand vous allez aller au Basic Training, ils vont envoyer à l'adresse à laquelle vous avez mis les documents, l'adresse à laquelle vous avez, dans vos documents, vous avez écrit que, par exemple, mes parents vivent au Sénégal, mes parents vivent au Togo, mes parents vivent peut-être, je ne sais pas trop, en Haïti et tout et tout. Ils vont envoyer ce qu'on appelle le graduation package à votre famille. Maintenant, dans ce graduation package, encore dans ce basic training package, il y a des éléments comme des trucs qui vous disent à l'intérieur ce que vous pouvez envoyer à votre soldat quand ils sont au basic training. Il y a ça à l'intérieur, ils vous donnent toutes les instructions, comment, qu'est-ce qu'il faut envoyer, les éléments qu'il ne faut pas envoyer et tout, comment est-ce que vous allez contacter avec le soldat quand il n'est pas là, quand il est en formation, il n'a pas accès au téléphone, bien sûr. Toutes les informations sont à l'intérieur parce que le rôle de l'armée, c'est de faire quoi? Parce qu'ils prennent votre enfant et ils l'amènent en formation. Alors, ce qui est le plus légitime, c'est de faire en sorte que les parents soient informés de l'endroit où vous êtes. Alors, qu'est-ce qu'ils le font? Ils ne vont pas envoyer toutes ces informations-là ou bien tout ce que vos parents ont besoin de savoir si, au préalable, vous n'avez pas rempli tous les éléments nécessaires dans vos dossiers. Donc, il faut être très malin. C'est des détails que j'avais négligé quand j'étais au basic training et j'étais allé parler pour la petite histoire, j'étais allé parler à mon drill sergeant. J'ai dit j'aimerais bien que ma famille assiste au basic training. Vous savez ce que le drill sergeant m'a dit? Il m'a dit l'armée américaine n'a rien à voir avec le service d'immigration, bien n'a rien à voir avec les ambassades pour que vos parents puissent avoir le visa. Mais par contre, la lettre que nous, armée américaine, avons envoyé dans l'adresse que vous avez fournie, ils peuvent, ou bien même pas qu'ils peuvent, ils se servent de ça pour demander un visa pour la graduation. Aussi simple que ça. Pour la petite histoire encore, j'avais des amis, je pense que lui, à lui, il s'appelait, son prénom c'était Edouard, je ne vais pas donner son nom ici quand même, son prénom c'était Edouard, il était sénégalais et j'ai été surpris de voir sa maman lors de notre graduation au Basic Training à Fort Jackson. J'ai dit, mais qu'est-ce que ta mère fait ici? Il me dit, ta mère vit au Sénégal? Il me dit, ouais, mais comment elle est ici? Je comprends pas, j'aurais pu bien faire venir soit mon père, soit ma mère, je sais pas trop. Le gars me dit en fait, au départ, son recruteur lui avait fait comprendre que si ses parents doivent venir, il doit mettre l'adresse de ses parents. Et quand sa mère allait demander le visa, elle s'est servie de cette lettre-là que l'armée américaine lui envoie pour dire que votre enfant va graduer et tout, et le processus est un peu plus rapide. Mais actuellement, avec toutes les restrictions sanitaires et tout, je pense que c'est un peu plus restreint. On travaille par l'ambassade de toute façon. Donc, ils ont les manières, eux, là-bas, maintenant, de pouvoir gérer ce dossier. Donc, en temps de pandémie comme celle-ci, la procédure doit un peu plus être. Il y a encore plus de documentation encore à fournir. Mais là, l'armée américaine n'a rien à voir avec cette documentation-là. C'est l'ambassade qui va vous dire, en fait, il vous viendra tel document, et c'est à vous peut-être qui est au basic training. On va bien sûr vous informer pour dire que vous avez un document, vous avez un dossier à l'ambassade pour faire venir votre parent pendant votre graduation et tout. L'ambassade, le service d'immigration requiert tel document que vous devez faire. Votre unité ou bien là où vous faites votre basic training, ils vont vous le dire. Encore pour la petite histoire, j'avais un ami, grand ami encore, même pas que j'ai un grand ami de nationalité, du moins il est nigérien de naissance, il est américain aujourd'hui. Sa fille était au Nigeria quand il était au basic training. Et pendant le basic training, il avait mis le nom de sa fille. Et c'est comme ça que pendant le basic training, la procédure a été tellement rapide et sa fille est arrivée pour le jour de sa graduation. Vraiment, ça marche. Pas 100%, mais ça marche. Mais là, c'était à une époque avant Covid. Mais maintenant, avec le Covid et tout, je pense qu'il y a certaines restrictions. Mais comme je dis, l'armée américaine ne va pas dire qu'OK, on va gérer le visa de votre mère, on va payer le billet d'avion et tout. Ça, c'est à vos propres frais. Tout ce qui concerne les frais de visa ou bien
Comment venir aux États-Unis, ça c'est à votre frère. L'armée américaine, elle, a fait son job dans le sens où ils ont envoyé le graduation package dans l'adresse que vous avez mis dans les documents. Alors, faites très attention quand vous signez votre contrat et qu'on vous dit peut-être personne à contacter ou bien vous demandez à votre recruteur ou bien vous demandez quand vous signez votre contrat ou bien quand vous êtes au basic training, vous arrivez au basic training pendant ce qu'on appelle le in-processing. Parce que quand vous signez votre contrat, vous allez aller au in-processing, vous allez peut-être passer une semaine ou deux semaines là-bas. Et c'est là-bas que vous pouvez notifier. Dans la main américaine, on dit you need to speak up. If something wrong, if you need something, speak up about it. Parlez. Si vous ne parlez pas, comment est-ce qu'ils vont savoir que vous voulez que votre famille vienne pendant votre graduation? C'est carrément impossible. Donc, parlez. Dites que j'aimerais que mes parents viennent et tout. Ils vont vous dire, OK, voilà. Mettez ici et c'est comme ça qu'ils vont envoyer ce package-là. Ce package est vraiment important. C'est super important. Si votre famille parvient à avoir ça en Afrique, pour qu'ils aient le visa pour venir aux États-Unis, sera un peu plus aisé pour venir à votre graduation après rentrer en Afrique, tout simplement. Alors, si vous suivez ces directives et que vous parlez, parlez quand vous êtes dans votre in-processing pour le basic training et encore parler à votre recruteur pour que le processus soit tellement aisé pour vous, comme on le dit communément ici dans ma communauté, pour que ça passe comme du couteau dans le beurre. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo et nous nous revoyons pour nos prochaines échéances. Ah, ciao, ciao la famille. Live like a soldier. Je vous aime très fort. Bye bye.